Yo, bonjour à toutes et à tous, ici Adrien 21500 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord, je suis désolé si ça fait longtemps que je n'ai pas sorti de vidéo, mais je n'avais pas trop d'idées. Bon, j'ai choisi de sortir une nouvelle vidéo sur un jeu qui est sorti il y a longtemps, mais que j'ai jamais fait en vidéo. Ce jeu-là, comme vous pouvez le voir, c'est Call of Duty Black Ops 2. Et pour célébrer ce nouveau jeu, ce jeu venu sur ma chaîne, j'ai voulu tester un nouveau mode. Donc, dans ce mode-là, j'ai voulu prendre la toute dernière carte du jeu. Et dans les modes, j'ai voulu prendre un match à mort par équipe. Et pour les règles, le temps illimité, limite du score illimité, deux équipes. Dans les matchs à mort par équipe, pour les paramètres, point par élimination 1, point par mort 1, point bonus tir dans la tête 5, nombre de vie 1, limite de manche 5. Donc il y aura 5 manches, mais on n'aura qu'une seule vie. Ça veut dire que si on meurt, on sera obligé d'attendre la prochaine manche avant de réapparaître. Et pour les classes personnalisées, j'ai mis classe autorisée, choix autorisé, 17. C'est le nombre, ça. Voici toutes mes classes personnalisées. Donc, la numéro 1, 2 et 3. Donc, 17, ça correspond à ce qu'on a dans notre classe, que ce soit les atouts, les grenades, les armes, les jokers. Et on va. Bon. Et pour les bots, je vais avoir 4 alliés et mes ennemis, ça sera une équipe de 5. Comme ça, on sera une équipe égalisée 4 à 5. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas faire avoir plus, par exemple avoir 6 alliés et 6 ennemis, par exemple 6 alliés et 7 ennemis, ça c'est vraiment dommage, mais bon, tant pis, on fait avec ce qu'on a. On commence. Alors, si vous avez des idées de vidéos à mode demander que je pourrais faire, il faudra me le dire dans les commentaires. Pour cette partie là, ouais, je vais prendre celui-là, la troisième classe. Match à mort par équipe. Mission furtive annulée. Attaquez. Je vais baisser un peu le son. Ouais, c'est bien comme ça. Donc moi, sachant que je me suis mis au snipe, je vais directement dedans. Hop, je vais poser le petit piège. Et je suis mort. Je sais pas pourquoi il a voulu. On n'a pas tiré. Donc lui a été flingue. Et c'est le dernier. Bravo, attends. Préparez-vous pour la suite. Bien. Deuxième manche. Changement de côté. Passe à mort par équipe. Donc j'allais directement dans l'église, je garde mon petit coin perso. Et je suis déjà mort. Et ben c'est bien. Donc on a
à lui. On a plus l'avantage. Ok. Et ce que je vois, c'est le dernier de mon équipe. Eh bien, c'est une défaite. Bon. Il a été tué par un petit feu. Par au couteau. Ah ouais. Il faut pas les choses à main morte, comme on dit. Bon. Et s'il y a des expressions que vous comprenez, que je dis, mais que vous comprenez pas trop, il faut savoir que des fois, quand je dis une expression, j'ai tendance un peu à la mélanger. Toi déjà, t'es mort. Hop. Ok, pour l'instant, j'ai pas d'ennemis. On a perdu cette manche. Préparez-vous pour la suite. Ah. Ok. Bon. Changement de point de départ. Allez, go. On change de point de départ. Pas sa mort par ici. La mission est notre seul but. Je vais retourner dans l'église. Toi déjà tu dégages. Bien. Je vais passer ici, voilà. Parfaito. Bien. Je vais lancer un petit fumigène. En espérant que un ennemi va venir dans le trou. Et je suis désolé pour la qualité de la vidéo. Mais j'utilise mon téléphone. Bon, déjà. Je vais aller un coup sur le terrain. Ah ben. On a perdu la manche. Vous reprenez-vous. Je crois que c'était pas une bonne idée d'aller sur le terrain finalement. Je me suis fait massacrer. Et pas qu'un peu. Changement de point de départ. Pas sa mort par équipe. Tout ce qui compte, c'est la mission. Hop. On va retourner dans l'église. Il faut savoir que l'église, c'est un de mes coins préférés. Oula. Je n'ai pas trop compris là ce qui vient de se passer. Et on a déjà perdu. Oh. Oh non, j'ai été nul là sur ce coup là. Défaite. Agent, l'ordre de mission n'a pas été atteint. Mince. Bon. Ben, vous savez quoi? J'allais régler un petit quelque chose dans les paramètres. Règle de jeu. Je crois que bien que c'est là. Alors, compte à voir maintenant. Troisième personne. Non, je savais pas qu'il y avait ça. C'est intéressant. Ce n'est pas là.
apparition massive, non? C'est forcé. Non. Alors ça doit être là. Tirallié avec. Limite d'élimination de coéquipier. 4. Non. On a droit de tuer que deux coéquipiers. Tire dans la tête seulement, non. 14 de dégâts avec. Bien que c'est là. Ah, je. Alors. C'est où ce que je. Lancement d'équipe non autorisé. Bon, tant pis. Je n'ai pas trouvé. Bon. Que je vais faire, c'est que je vais faire une autre partie. Et nous sommes à peu près à 11 minutes, je dirais. Ouais, 11 minutes et 55. Donc. Je vais prendre celui-là. Je vais retourner vers l'église. Bien, j'ai eu, nickel. On a perdu cette manche. Ok, comment est arrivé en arrivant à différents pièges. Ah, en fait, il allait trop vite pour que le piège puisse se déclencher. Changement de point de départ. Ok, d'accord, d'accord. Les morts ne parlent pas. Bon. J'ai entendu vite fait dans l'église. Bien. L'ennemi qui est venu par là, il est neutralisé. Ah, c'est là. On va gagner ce combat. Nickel! Bravo, agent! Préparez-vous pour la suite! Dans le bill. Franchement, ça c'est un joli tir. Bien maîtrisé et tout. Changement de côté. Je vais pas dire qu'on est un pro, vu que je suis pas vraiment un pro dans Call of Duty. La preuve, un jour je me suis fait battre à pleine couture comme un bon petit débutant par mon petit frère. Ok. On a perdu la manche. Vous reprenez vos funères. Et pour savoir, mon petit frère, il a une chaîne YouTube qui se fait. Il s'est appelé Domino Dinocube. Il a souvent changé de nom. Son premier pseudo, c'était Domino 66. Ensuite, son deuxième, c'était Domino On Fire. Et enfin, le troisième, même c'était. Ah, je me suis fait vraiment bien plaquer par terre là sur le coup. Ah, ouais, le mec. Et le troisième pseudo, mon petit frère, c'est
Domino's Dino Cube. Franchement, je suis abonné à sa chaîne, vous pouvez aller le voir. Il y a ma grande sœur aussi qui s'est créée une chaîne YouTube. Elle a fait qu'une seule vidéo malheureusement. Parce qu'elle a fait cette vidéo juste pour tester, pour voir comment ça fait d'être une youtubeuse. Et ben, elle a décidé d'arrêter. Une vidéo, ça lui a suffi. Toi, tu dégages. Une vidéo, ça lui a suffi. Et elle s'est fait appeler, si je me trompe pas, Nana Katsara. Alors, j'attends les petits ennemis, moi. Nickel. Vous voyez, quand je dis que je suis pas un pro, que là, vous voyez pourquoi. J'ai dû tirer 3 fois pour le tuer. À la troisième. Ah non, 4 fois. À la quatrième balle, je l'ai eu. Wow. Si vous pouvez me donner des conseils sur ce jeu, eh ben, j'aimerais bien les avoir. À ce que je vois. On a terminé le match. Bon. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on s'en fasse une autre partie, mais pas avec le même équipement. Cette fois, je vais utiliser le deuxième. Le premier. Utiliser le troisième équipement 2 fois. Et ben là, je vais utiliser le premier équipement. Alors, est-ce qu'il y a une grosse différence entre le premier équipement? Ouais. Il y a à peu près une grosse différence. Et puis là, c'est une petite mitrailleuse. La seule différence qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas les mêmes grenades. Et puis là, c'est une mitrailleuse au lieu d'un fusil d'assaut. Et sur l'autre. Et ben c'est. Et l'autre différence. Que c'était un ennemi, mais non, c'est un allié. L'autre différence, c'est quand même que. Ah ben, ils ont déjà vaincu. Attention à la prochaine manche. L'autre différence. C'est au niveau des grenades, ouais. Dans l'autre équipement, j'ai une grenade flash et puis là, c'est des grenades électriques. Là, je comprends pas. Il aurait pu le tuer au couteau, mais il a préféré le tuer à sauver avec son arc. Mais bon, après tout, il fait comme il souhaite. Bon, il va aller tuer un peu les ennemis qui sont là-bas. Ok, si tu même pas un snipe. Ah ouais, genre. Donc vous voyez, je vous ai pas menti depuis le début. On a vraiment qu'une seule et une seule vie. Alors. Qu'est-ce qu'il va faire encore pour nous sortir de cette situation et gagner? Nous sommes à la deuxième manche. Ah ouais. Désolé, mais à force de faire plein de manches et tout, on m'a rien. J'ai cru que on était déjà.
La quatrième à peu près. Mais bon. Changement de point de départ. Ok. Passe à bord, par ici. La mission est notre seul but. Non, pas trop. Pour moi, il n'y a pas que la mission qui compte. Il y a autre chose. Et c'est la chose qui compte le plus pour moi, c'est vous, les abonnés. Ouais. Vraiment rien que vous et uniquement vous. Bon. Tant que j'entends le bruit, c'est que c'est bon. Je tiens un coup pour qu'ils puissent venir en espérant que ça leur donnerait ma localisation. Comme ça, je pourrais mieux les tuer. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Au bout d'un moment, c'est sûr, ils seront obligés de passer par cette rue-là. Et à ce moment-là, poum! Poum! Dans le bide. Vous avez compris enfin. Dès que l'ennemi va passer dans la rue, je lui tiens une balle dans la tête. Ouais. Et je tue comme un pauvre naze. Mais bon, il faut que j'arrête de dire des choses comme ça parce que ça peut porter malheur à ce qui paraît. Ils sont loin, les ennemis à la fin. Je les sortirai parce que je m'ennuie. Je m'ennuie clairement. Et franchement, je vous le dis, je m'ennuie. Ok. On a perdu la manche. Vous reprenez-vous. Alors, je vois comment il a osé me tirer dessus. Ok. Et on passe à bord par ici. Agent, ils nous ont repérés. Allez-y. Je commence par l'église. Pas pourquoi, mais c'est...
Hop là. Bon. Désolé si j'étais un peu en latence. Quoi? On a perdu la manche. Déjà? Reprenez-vous. Müller. Oh putain, Godoc. Changement de côté. Passe à bord par équipe. La mission est notre seul but. Pas trop. Pourquoi ils disent que la mission c'est leur seul but? Je comprends pas ça. Il n'y a pas que la mission qui compte dans la vie. Mais aussi vous, les abonnés, les gens de la réalité. Ok. Oh ben, je suis mort. Et ce que je vois, c'est le dernier de notre équipe. Et il se fait tuer. Manche perdu, sac à dit. Ok, bon bah, allez hop. L'objectif n'a pas été atteint. Retour à la base pour redéploiement. On n'a pas réussi. Bon, on en est à 26 minutes. 50. Bon ben, on fait une dernière partie. Après, cette fois, on va prendre le deuxième stuff. Le deuxième équipement. C'est un équipement qui n'a pas de sniper. Donc, je resterai seulement sur le terrain. On veut faire des idées, c'est un équipement 100% mitraillette. Allez go, moi je m'aventure là-bas. Pas même dans mes alliés, mais bon, tant pis. C'est pas très grave, j'ai qu'à l'exploser. Si je vois un ennemi, je l'explose et voilà, c'en est terminé. Même si... Ok, je suis désolé les gens, mais je sais pas pourquoi, mais la vidéo s'est mise automatiquement en pause. Du coup, je sais pas si vous avez vu la fin du match, mais bon, dans tous les cas, j'ai perdu, mon équipe a gagné deux manches sur une. Alors, on va créer ensemble une nouvelle classe personnalisée. Là-dedans... On va prendre... Ouais, celui-là, il est bien. J'aime bien, moi. Avec celui-là, là. Ensuite, le canonon. Pas blatter au canonon. Voilà, ces deux choses-là. Ensuite, là, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Non. Pourquoi pas ce viseur là, ça pourrait être sympa. Et là, vous savez quoi là? Là, je vais mettre juste un petit lance-roquette. Non, une arbalète. Pour changer un peu. Hop, et si j'ai ça là. Ok, donc si par exemple ça, ouais, je fais une chose. Si je fais ça, je dois qu'une seule chose de rajouter. Si je fais ça, je dois rajouter une seule chose. Est-ce que je mets ça? Ok.
Ouais, concrètement. Là. Donc là, dans les tactiques. La grenade fume. Et là-dedans, je vais me sauver des grenades. Je vais mettre. Oh, pourquoi pas deux grenades comme ça. Ensuite là-dedans je vais mettre le chien de mort. Ah, ça, ça. Et puis je vais rajouter là tous deux. Ou que je veux mettre celui-là. Récupérer les munitions de l'équipement sur les ennemis tués par des armes non explosives. Bien. Et voilà. C'est bon. Donc maintenant, on va laisser cette carte et on va en faire une. Un dernier combat pour vous. Et après, je crois qu'on va arrêter la vidéo. Et puis, on va dire au revoir. Bon. Dernier combat, j'ai atteint à ne pas le pire. Ah ouais, c'est le viseur comme ça. Ah, c'est le viseur comme ça, bien. Ok. Ah ouais, je vois, j'ai un mec. Quand il est venu qu'il a tiré, faut dire que parce que j'ai un peu paniqué. Comme j'ai. Quand il est fait. Ok. Bah cette manche a été facile. Ah, je reconnais ça, c'est un sniper. Changement de point de départ. Je devrais essayer pour voir. On ne doit pas savoir qu'on est là. Ok, troisième manche. Ouais, il va bien. Et je suis déjà mort? Donc là, ça me restait pas. C'était que. Ah, lui, il a la même arme que moi, il m'intéresse. Ah, là, on a la vue à la troisième personne, ouais, trop bizarre. Et il s'appelle AD en LAN. Ouais. Ado bizarre. 3 arcs. Bon boulot. Attention à la prochaine manche. Ok. Ben dis donc. Il va pas de ma morte avec son snipe. Sa mort par équipe. Vous entrez, vous ressortez, vous comprenez?
Un jour m'a dit quelque chose. Il faudrait que je change. Enfin, que j'améliore. Ok, on est déjà tué. Oui, c'est vrai. Ok, donc ça doit être lui qui a l'autre arme. Pas si les diamants. Ok, est-ce que c'est de là? Faut que je recharge. Bon, un jour on m'a dit quelque chose. Heureusement, pour lui, je l'ai bien pris. C'est mon petit frère qui m'a dit ça. Il n'aime pas trop mes vidéos, juste pour une seule chose. Ah ouais, je vois le genre. L'artillerie, l'ordi sort quoi, lui. Et rien qu'une seule chose. Il m'a dit que je ne parle pas assez dans mes vidéos. Je ne vous parle pas assez. Je discute pas assez longtemps avec vous. Mais bon, je crois que là, ouais. Changement de côté. J'aime bien les discussions comme ça, moi. Pas de savoir par qui. Ils ne doivent pas parler. Bon. Peut-être qu'il y en a un qui va arriver ici. Nickel. Allez, hop, les recharges. Ok, j'ai lancé une petite grenade pour les attirer. Est-ce que ça n'a pas fonctionné? Mais c'est vraiment bien. Ils n'ont pas été de main morte avec lui. Ouais. Et belle victoire. Il n'avait aucune chance. Bon, c'est la fin de la. On a arrêté, c'est une victoire. On en est à 36 minutes, c'est bien. Bon ben, sur ce, je vous dis au revoir, à la prochaine pour une nouvelle vidéo, car malheureusement, si je fais un autre combat, la vidéo va durer trop longtemps, elle sera trop longue pour vous. Du coup, je ne veux pas de vidéo où que vous pensez que c'est trop long. Du coup, je vous dis au revoir et à la prochaine. Prenez soin de vous et portez-vous bien. Sur ce, bye!